Alors bonjour à tous, aujourd'hui on débute la FAQ que je vous ai promis, que je vous ai annoncé. Donc voilà, première question. Donc première question de Félix et compagnie. Comment as-tu découvert Vocaloid? Quel âge as-tu et quel métier voudrais-tu faire plus tard? PS, give me ta voix. Oh, c'est trop gentil. Alors, comment j'ai découvert Vocaloid? C'est juste parce que je suis tombé sur une chanson un peu par hasard il y a longtemps. Il y a fort longtemps. Et donc voilà, bah, voilà ma vie. Et ensuite, j'ai 16 ans. Et je vais bientôt en avoir 17 dans 3 mois. Moins un jour. Et quel métier je voudrais faire plus tard? Je n'ai pas une idée précise en fait du métier. Je sais que moi je voudrais me tourner plus vers un secteur scientifique, mais je ne sais pas quel métier exercer exactement. En clair, j'ai vraiment l'embarras du choix entre ingénieur, médecin, donc même dans le paramédical, ou en génie civil, etc. Même si moi je crois qu'ingénieur c'est un peu compliqué pour moi, mais bon. Bref. Vous avez compris, je peux faire beaucoup de trucs. Et j'aurais bien aimé donner ma voix, mais bon, je crois que ça va être compliqué. Mais bon, hein, c'est très très gentil de me complimenter. Voilà, je t'ai fait une grosse dédicace. Je t'ai fait aussi plein de bisous, 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 bisous. Allez, on passe au suivant. Alors, question de Aoki Crystal alias Aiko Studio ou Aika Angel sur Discord. Hey copain, quel est ton jeu préféré? Voudrais-tu rejoindre un de mes projets? Sinon, tu as beaucoup d'appareils. Je t'adore, hein. Moi aussi, je t'adore. Et ouais, alors, mon jeu préféré, j'ai pas vraiment de jeu préféré. Je suis pas très très fan de jeux vidéo. C'était le cas avant, dans le passé, où j'étais vraiment un grand fan de Nintendo. Maintenant, plus trop, même si récemment, j'ai commencé à jouer à Toho Project. Donc voilà. Alors, concernant tes projets, oui, si le projet m'intéresse, pourquoi pas. Sinon, alors, j'ai pas beaucoup d'appareils, parce que bah, je suis pas quelqu'un de très très riche. Je m'en sens, alhamdoulilah, mais je suis pas Bill Gates non plus. Alors, bon, bah, j'ai surtout mon PC et mon micro, et aussi mes écouteurs, en fait, qui me servent surtout pour mixer et tout, donc voilà. En tout cas, toi aussi, je te fais des grosses dédicaces parce que bah, t'es aussi une fille en or. Je te connais depuis pas trop longtemps, mais bon, je sais que t'es une fille en or quand même. Et voilà, bon. Et je te fais aussi de gros bisous comme pour Félix. Et voilà. Alors maintenant, nous avons une question de Kitsune no Musume, qui est une abonnée aussi que je connais depuis pas mal de temps. Donc voilà, alors. Quels sont tes Circle Doujin de Toho préférés et quels sont tes Vocaloid et Vocalopi préférés? Alors, mes Circle Doujin, donc il y a Soundholic, Yuhei Satellite. Bon, en vrai, il y a aussi Toho Pai, Ta Music, DBU. Bref, et Demetori. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Même si mon préféré, ça restera toujours. Donc mes Vocaloid préférés sont Hidaritsu, Moti, Neru, Cosmo, Wonderful Opportunity. Il y avait Massa aussi pendant un certain temps, mais maintenant c'est plus trop mon préféré. Et pareil pour Circus P et Kira. Ben, ce sont plus trop mes Vocaloid préférés. Je veux dire, leurs chansons ne me correspondent plus trop en fait. Genre, ça ne correspond plus trop à moi, tu vois. Et du coup, mes Vocaloid préférés sont Kaito, Megurune Luka, Gumi, Gakupo, Nekomura Hiroa, Mayu, Aye, Atsune Miku, ça c'est la base. Aussi les Kagamine Rinellen, Yuzuri Yukari, et plein d'autres, et j'en passe des meilleurs. Et voilà. Alors maintenant, nous avons des questions de Lana-chan, qui me demande comment j'ai découvert Toho Project, quels sont mes E-Taïdés préférés et quels sont mes persos préférés. Devilius et Toho Project. Alors, comment j'ai découvert Toho? Ça c'est grâce à un cover de Bad Apple, c'était celui de Miiko, même si maintenant c'est renommé Riiko, ou l'inverse, je sais plus. Bref,
Ouais, ensuite, de fil en aiguille, je suis tombé sur les covers des Macara. Dont celui de Lunar Clock, Luna Dial, qui m'a vraiment beaucoup plu. Après, je suis tombé sur l'anime Memories of Phantasm, qui est doublé par le Circle Toho Pai. Franchement, les mesdemoiselles et aussi monsieur, parce que il y a quand même le grand chef Zeorad qui. Ils font tous un excellent boulot de doublage, de mixage et tout. Et parfois, ça leur arrive aussi de doubler des trucs, des chansons un peu comiques de Yozis par exemple. Donc voilà. Et de Innocent K. Ce qui me fera toujours marrer d'ailleurs. Et ensuite, concernant mes utilités préférées, Omegata, Daphnis, Poussé, Lenala, etc. Côté francophone, côté japonophone, 96 Neko et Mafeu. Même si bon, je m'intéresse pas trop aux japonophones. Il y a aussi Malo Tsuki. Il y avait une autre dont j'ai oublié, là, j'ai même carrément téléchargé un album et j'ai oublié son nom. Voilà. Et mes persos préférés de Toho Project et Devilius Chronicles. Côté Devilius, j'ai MUA, Iluka Clockworker, Irina Clockworker. Il faut savoir que Iluka Circlatia et Iluka Clockworker sont deux persos bien distincts. Hein. C'est pas ce genre Iluka Clockworker, c'est en fait l'âme de Levia Barisol, dont le corps de Iluka Circlatia. Puis ensuite, elle a échangé son corps avec Lucana Octo, qui est un personnage du harem de Venomania. Oui, j'ai l'impression de parler chinois en fait quand je prononce et quand j'y raconte tout ça. Puis ensuite, duel au plateau de Merigod et MUA. Et ensuite, échange de corps avec Kaio Sudo. Voilà. Et ensuite, j'aime aussi Lemmy Abelard. Enfin, en fait, Ansel et ses réincarnations. Donc, Lemmy Abelard, il y avait aussi Polo et Ansel bien sûr, et aussi sa sœur Gretel, et aussi Galeran Marlon, Nemesis Sudo, Kaio Sudo, pratiquement tous les pêcheurs en fait. Et voilà, j'espère qu'ils sont partis se confesser. Et j'aime aussi côté Toho Project, alors il y a Sakuya Izayoi parce que je la trouve méga stylée en train de lancer des couteaux partout, en train d'arrêter le temps, c'est un truc de ouf. J'aime aussi Yukari Yakumo parce que elle est trop belle. Il y a aussi Toyo Satomi Minomiko parce que j'aime beaucoup son thème en fait. Voilà, et j'aime aussi Koichi Komeiji et Utsuo Reijui. J'aime aussi Suika, Ranyakumo, Chen, Yuiko, Yomu Kanpaku, Remilia Scarlett, Flandre Scarlett, et j'en passe des meilleurs. Et aussi Junko et Ekatia Lapilazuli. Et aussi Cyrano, même si c'est une baka. Baka! Et voilà. C'est tout pour ta question. Toi aussi, je te donne une grosse dédicace parce que tu m'as vraiment sauvé la Yves. Même si j'ai eu des problèmes, tu m'as pas vraiment sauvé la vie, mais t'as fait des efforts. Et franchement, je te le dis, je te fais une grosse dédicace. Et je te fais aussi beaucoup de bisous, 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 bisous. Voilà. Suivant. Alors voilà, maintenant, nous avons eu des dernières questions de Berry, qui est une traductrice qui est plus trop active. Alors, qui me demande quelle est ma chanson préférée des Evilius Chronicles. C'est simple, j'en ai pas vraiment en fait. Genre, il y a Master of the Hellish Yard, Master of the Evil Yard, Master of the Court. Master of the Court. Il y avait aussi Capriccio Farcier, ou si on appelle Farcier Capriccio. Mais sinon, j'en ai pas tant que ça. Il y a aussi Gobane no Piero que j'aime beaucoup, mais bon. Et Nanatsu no Tsumitobatsu. Et Saigon Revolver. Mais voilà. Sinon, j'en ai pas tant que ça. Mais voilà. Ce sont mes chansons préférées. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on va se terminer cette FAQ. Alors, merci beaucoup à ceux qui m'ont posé des questions.
Pour les autres, peut-être que je ferai une FAQ lorsque j'aurai 400 abonnés, peut-être même plus. Mais bon, bref. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et je vous fais aussi une grosse dédicace à tout le monde. Et aussi des gros bisous, des gros câlins. Et voilà. Je vous souhaite aussi d'agréables vacances parce que bon, il reste même pas 2 semaines là. Hein. Après, c'est back to school. Donc voilà. Bye!